On retourne en France maintenant avec l'actualité du moment. Hier, une attaque mortelle devant un centre culturel kurde a fait 3 morts. Et aujourd'hui, une manifestation en hommage avait lieu dans le centre de Paris. Une manifestation qui a un petit peu dégénéré. Thibaut Hue, vous qui étiez sur place, ça avait pourtant bien commencé, dans le calme en plus. Oui, dans le calme. Hein, des centaines de personnes réunies avec des drapeaux, des banderoles. Dessus, on pouvait lire par exemple « Stop à l'injustice » parce que ce rassemblement prévu pour rendre hommage aux 3 militantes kurdes tuées à Paris il y a 10 ans s'est transformé en cri de colère après l'attaque d'hier dans le 10e arrondissement. Pour Dogan, un étudiant, c'est la goutte de trop. Beaucoup de colère, beaucoup de tristesse, beaucoup d'incompréhension. On vient aujourd'hui ici pour établir la lumière, pour que les autorités françaises prennent leurs responsabilités face à cet acte terroriste. C'est une amie de ma mère qui est décédée, c'est un père de famille qui est décédé, c'est un artiste. Moi j'ai grandi en France, monsieur. Je me sens français, j'aime la France, j'aime la République, mais on ne se sent pas du tout en sécurité. Et pendant toute l'après-midi, la tension n'a pas cessé de monter jusqu'à quelques affrontements avec les forces de l'ordre. Des poubelles en feu, au moins 4 voitures renversées. Alors les CRS ont riposté à coups de gaz lacrymogène. Des violences justifiées pour Berivaï, enroulé dans le drapeau vert, jaune et rouge du Kurdistan, les yeux rougis par le gaz lacrymogène. C'est normal qu'ils réagissent comme ça, qu'ils cassent et que ce soit comme ça. Si j'avais pu, j'aurais fait pareil. Depuis 10 ans, on attend une décision de la justice par rapport à nos 3 femmes. Aujourd'hui, on subit la même chose. Faut être honnête, c'est pas juste un raciste qui a décidé de frapper des étrangers, c'était ciblé. Et nous, les Kurdes, là, les jeunes Kurdes de France, on est choqués en fait, du fait que notre État, il laisse faire. Finalement, la place de la République a été complètement bouclée. Le cortège n'a pas pu rejoindre, comme prévu, la place de la Bastille. Et les manifestants ont été dispersés dans le calme. Merci Thibaut Hue, service reportage d'Europe 1. 11 personnes ont été interpellées suite à cette manifestation. Il y a quelques minutes, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, s'est exprimé. La France est en deuil après ce drame, a-t-il dit. L'auteur présumé de la fusillade lui était un retraité de 69 ans. Il est aujourd'hui en garde à vue prolongée. Ce samedi, le mobile raciste des faits a été ajouté à l'enquête ouverte pour assassinat. Le suspect, selon plusieurs sources, visait bien des Kurdes. C'est ce qu'il aurait expliqué aux enquêteurs, selon plusieurs sources. La communauté kurde qui est en colère aujourd'hui, ils se sentent persécutés. Mais pourquoi ce sentiment? Question que l'on va poser à Olivier Grosjean, notre invité. Bonjour Olivier Grosjean. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en sciences politiques à l'Université Paris 1 et auteur du livre « La révolution kurde, le PKK et la fabrique d'une utopie ». On l'a entendu dans le reportage tout à l'heure, il y a un sentiment d'incompréhension et aussi un sentiment d'insécurité chez les Kurdes, notamment en France. Est-ce que on peut expliquer ce sentiment d'insécurité? Est-ce que vous comprenez? Oui, je crois que vous avez déjà évoqué un petit peu la question, c'est-à-dire que il y a 10 ans, presque jour pour jour, il y a eu le meurtre de 3 militantes du PKK à Paris. Et en fait, depuis 10 ans, l'enquête a très très peu avancé, puisque l'auteur de ces meurtres est mort d'un cancer. Hein. Et en fait, il n'y a jamais eu de réelle prise de position politique par rapport à la Turquie, alors qu'on sait bien que le mythe, c'est-à-dire les services de renseignement turcs, étaient derrière ces 3 meurtres. Donc là, ça fait comme une espèce de remémoration de tout ça. Et les Kurdes se disent, mais en fait, on est en train de nous rouler dans la farine en nous disant que c'est un acte raciste, alors qu'on est persuadé que la Turquie est derrière tout ça. Ah justement, mais c'est vrai qu'on a entendu des manifestants qui pensaient que la Turquie était l'auteur de ce drame. Comment ça se fait qu'on ait ce sentiment de persécution jusqu'en France? Alors, il y a des éléments conjoncturels, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait une réunion qui était prévue au CDKF, donc au 16 rue d'Anguien, à ce moment-là, et qui a été repoussée. Parce qu'il y avait des problèmes de RER et donc en fait les Kurdes se sont dit mais en fait il y aurait pu y avoir 15-20 personnes juste à ce moment-là et ça aurait été un carnage et donc eux se disent que le tueur en fait en avait réellement après eux et que c'est vraiment trop bizarre que par hasard comme ça il se serait juste attaqué à eux parce qu'il passait dans la rue donc eux voient effectivement pas une forme de complot, mais quelque chose qui viendrait et qui aurait été télécommandé par la Turquie. Oui, parce que les Kurdes sont en guerre, hein, presque, j'ai envie de dire, notamment au Proche-Orient, dans différents pays. Il y a d'exaspération hein, pour ce peuple en ce moment. Il y a des quoi, pardon? De l'exaspération.
Oui, il y a de l'exaspération. Bah, faut dire que effectivement, l'État turc bombarde régulièrement le Kurdistan irakien, donc le nord de l'Irak. Ils ont bombardé il y a quelques jours après l'attentat d'Istanbul, les zones du nord-est de la Syrie qui sont aussi des zones kurdes. En Turquie même, on a beaucoup de répression. Tous les maires pro-kurdes qui ont été destitués et remplacés par des préfets. Donc, oui, il y a une exaspération. Il y a un peu cette impression que la résolution de la question kurde n'avance pas, ni en Turquie, ni en Europe, et que personne, en fait, ne cherche vraiment à trouver une solution. Très rapidement, Olivier Grosjean, est-ce qu'il y a une forte communauté kurde en France ? Qu'est-ce qu'il représente ? Oui, je sais, j'ai plus exactement les chiffres, mais on est autour de 100-150 000 Kurdes, peut-être plus, parce qu'il y a en fait ça fait au moins 3 générations qui sont là. Donc on est bien souvent on dit le deuxième pays d'Europe où il y a le plus de Kurdes, et les Kurdes en France sont surtout des Kurdes de Turquie justement. Hein, puisque les Kurdes sont répartis sur 4 États au Moyen-Orient, mais c'est surtout des Kurdes de Turquie en France. Merci beaucoup Olivier Grosjean, maître de conférence en sciences politiques à l'Université Paris 1, d'avoir été avec nous sur Europe 1 et resté.